Amis, on se retrouve pour la suite de cette grosse ouverture de destinée radieuse pour aller chercher peut-être ce drac au feu. Il nous reste 3 tripacks et 2 coffrets, ce qui nous fait un total de 3 x 3, 9, 8, 17 boosters pour peut-être aller chercher quelque chose de fou. Je pense que je vais racheter quand même du destinée radieuse, mais c'est vrai que je me rends compte aussi de la difficulté des séries 0.5 à compléter. J'ai jamais ouvert autant de boosters, jamais dépensé autant d'argent aussi, c'est quand même un véritable gouffre tout ça. On fera le bilan quand même de tout ce que j'ai acheté et tout, en plus que moi j'ai eu de la chance de les avoir à un prix plus bas que le marché. On va discuter de tout ça, je pense que ça va être super intéressant, je sais que c'est le genre de vidéo aussi qui vous intéresse énormément. Du coup on va partir sur ça. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord. Plus on est nombreux sur le Discord, plus moi ça me donne de la force aussi, parce que ça me permet de vous envoyer les vidéos aussi en avance, vous donner aussi des codes des codes d'ouverture un peu en avance, etc. Donc ça aussi c'est vachement cool. Les amis, synchronisation audio clap. Franchement je vous le dis, j'ai peur. Et l'ouverture de juste avant, bah, je tourne les vidéos à la suite hein, bah, ça me permet de libérer du temps aussi hein, d'avoir des vidéos en avance, c'est important. Mais oui, ça fait peur, voilà. Je tiens quand même à vous le dire, tout ça, ça me fait un peu peur, ça me fait frissonner. Mais bon, c'est aussi ça Pokémon. Donc hop, la petite carte promo toujours. Alors là, on a de la chance, on a 2 Drac au feu et ensuite, on a presque toutes les illustrations sur Kovarus. Donc là, on va changer un peu parce qu'à chaque fois, on fait le Drac au feu à la fin. Là, on va faire les Drac au feu en premier. C'est parti les amis pour ces packs destinées radieuses. On est parti pour le premier. Le booster était super chelou, on dirait comme s'il était recollé quoi. Hop, c'est parti, le code c'est pour vous. Je vais garder 2 codes pour moi pour les donner sur le Discord tout simplement. C'est parti, allez. On y croit, énergie et flèche. Motisma, l'épée rouillée. Morpeko, Cacnea. Pardon pour la petite erreur. Charibari. Kelocroix qui est ici en haut à la river, sa première river de cette ouverture. Aïe 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 aïe. J'en ai marre de le voir lui. Et Manaphy, premier booster qui franchement fait du mal. Voilà, premier booster qui franchement fait du mal. Vous avez vu les boosters d'un coup, j'ai l'impression, bah il n'y a pas énormément de chance. Hein, c'est pas souvent la grande fête, ces boosters d'un coup. Allez, on est parti pour le deuxième booster. On va prendre notre temps parce qu'il n'y a pas beaucoup de boosters aujourd'hui. De la dernière ouverture, ce sera les 3 derniers tripacks, donc 9 boosters. Donc c'est pour ça qu'on va prendre un petit peu de temps. Aïe 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 aïe, c'est pas facile hein. J'ai pas l'impression que ce sera pour aujourd'hui les Drac au feu. Bannière de la Chimiel, Motisma, Bouclier rouillé, Hippotrempe, Frissonil, Morpeko, Cacnea. Kelocroc, qui est derrière en river, ce sera Roublenard et Volcanion. Aïe, 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 ça fait mal. Bon, allez, 2 derniers boosters. Ce coffret, pour l'instant, il pue vachement des fesses. Hein. Franchement, il pue vraiment très, très fort. Je sais pas ce qui se passe avec les coffrets Pikachu, ils sont vraiment mauvais. Hein. Genre, comparé au tripack, je sais pas, j'ai l'impression que Poké Company font exprès. Est-ce qu'il y a des mecs qui ont réussi à choper des trucs de ouf dans les coffrets Pikachu? Je sais pas. Énergie, Motisma, Nigosier, Bannière de la Chimiel, Goupilou, Evoli, Tournicoto. Allez, on perd pas espoir. Kelocroc, Morpeko est derrière. On aura Deden que j'avais déjà. Et Charmeleon VMAX. Bon, les gars, je vais pas m'extasier sur ça. C'est des cartes que j'ai en x2, x3. Charmeleon, je crois, x4 même. On est quand même content. Ça fait de la double. Ça fait des cartes, encore une fois, qui vont permettre de financer les prochaines ouvertures. Du coup, bon, on va pas se plaindre. Mais c'est un peu relou quand même. Voilà. Dernier booster de ce coffret. Hop, c'est parti. Bon, il rattrape un petit peu quand même, parce que le coffret est vraiment pas terrible. Les 2 premiers boosters étaient vraiment nuls. Allez, les gars, on garde espoir. Allez, tant qu'il y a Kibiki, il y a de l'espoir. Et tant qu'il y a de l'espoir, il y a Kibiki. Énergie, bouclier, rouillé. Et flèche, blanc, coton, Morpeko, Mustéboué, Goupilou, Cacnea, Charibari. Et oui, ça fait plaisir. Une shiny que je n'avais pas, enfin. Une carte que je n'avais pas. Pashmila, magnifique, hein, vraiment. Quel travail. Les shiny sont vraiment super belles hein, de cette série. Je commence à en avoir beaucoup. Hein, je commence à en avoir beaucoup. Je suis très très content. Alors, c'est vrai que j'ai peut-être pas énormément de chance sur les cartes tricotées. J'ai pas le low class par exemple.
J'ai pas le Dracaufeu aussi, hein, bien sûr. Mais sur les shiny, c'est vrai que j'ai rarement des doubles. Et ça, c'est vraiment cool. Parce que ça évite de faire des achats de shiny à l'unité énormément. Parce que franchement, il y en a tellement à collectionner. Du coup, c'est à peu près 8 ou 10 euros unité la shiny. Ça monte très très vite. Hein. Ça peut monter très très vite d'avoir toute cette collection de shiny. Du coup, je suis très content. Dernier coffret, les amis. Oui, c'est une petite ouverture aujourd'hui, mais c'est aussi ça qui fait ce charme, c'est qu'il y a plus de stress, chaque booster est plus stressant. Et quand tu fais une grosse ouverture avec les premières ouvertures tu te dis, ouais, j'ai encore de la marge. Et là, quand c'est les derniers, il n'y a plus beaucoup de marge. Comment je suis en train d'éclater le coffret, c'est abusé. Bon, les amis, 4 boosters encore une fois. Alors là, c'est vrai qu'on a encore de la chance parce qu'il y a du Dracaufeu. Voilà, il y a du Dracaufeu. Petite carte promotionnelle. Et j'ai encore 2 boosters Dracaufeu. Bon, on va faire pareil. On va voir les Dracaufeu avant. Bon, les amis, c'est parti. On va commencer avec les 2 Dracaufeu. 1 et 2. C'est parti. Le stress est à son comble. Allez. C'est mon dernier coffret Pikachu. Et j'en ai ouvert. J'en ai ouvert beaucoup des coffrets Pikachu. C'est parti. 1, 2, 3 et 4. Ok. Énergie Water, épée rouillée, blanc coton et flèche, tournicoton, cacnéa, charivari, mustéboué, mimigal. Derrière, ce sera oui, messire et horde du boss. La clim est intense. La clim est vachement intense. Les amis, dernier booster, Dracaufeu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un truc que j'aime bien. Je vais ouvrir le booster et poser les cartes aléatoirement par terre, comme ça, aucun spoil, voilà. Et ce que je vais faire, je vous donne le code, je vais mélanger les cartes, tac, vraiment, je mélange un peu n'importe comment, voilà, comme ça, je sais pas où peut être la carte promo ou quoi, et là, regarde ce qu'on va faire, tac, on va poser les cartes aléatoirement et je vais les retourner une par une. Voilà, ça peut être vachement cool. Allez, je vais commencer avec celle-ci et ce sera Goupilou. Donc, ce n'est pas la reverse. Brindibou, j'espère que c'est pas la rare. Non, je crois pas. Brindibou n'est pas disponible en rare. Ici, on a l'énergie Fire. Ça stresse, hein. Ouh, loulou, ça stresse. Ici, Motisma. Ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Bouclier rouillé. C'est stressant, les ouvertures comme ça, hein. Zarud, souvent il est en rare. Je pense que c'est un booster vide. Mimigal. Hippotrempe. Tropius. Ici, la reverse peut-être. Smogo en reverse. Et on termine avec Morpeko. C'est désespérant. C'est désespérant. Bon. On perd pas espoir, mais là, cette ouverture me met une clim. Oh là là, la clim que je suis en train de prendre. J'ai l'ouverture d'hier, c'est bien passé, il y a 2 jours, là, ça s'est bien passé. Mais là, la clim que je prends, c'est pas sérieux, quoi. Allez, c'est parti, on va faire pareil. Tac, le petit code, et pareil, on va mélanger les cartes comme ça. J'ai senti un granulé, il y a quelque chose. Je me suis un peu spoil, je crois. Hop. Yanma, j'ai senti une carte qui était granulée. Evoli. Allez, on garde espoir. Cracnoix. Brindibou. Lixi. Attendez, je fais attention aussi de ne pas abîmer parce que ça peut abîmer les cartes. Ici, on aura. Oui. Bon, je l'avais déjà. C'est une shiny quand même. C'est vachement cool. Donc, ça, c'est cool. Une petite shiny qui tombe. Bon, enfin. Parce que franchement, ce coffret nous a rien donné pour l'instant. De booster vide un peu comme l'autre. Bon, shiny que j'avais déjà, mais c'est pas grave. Tac. En tout cas, on est sûr qu'il n'y aura pas de Dracaufeu sur ce booster. Badaboin. Oh oui, palme masquée. Super. Carte que je n'avais pas, et ça, c'est vraiment cool. Ah non, ça, par contre, c'est vrai que ça rattrape l'ouverture. Palme masquée, qui est l'une des plus belles full art, je trouve. Qui cote en plus pas mal. Donc ça, c'est cool. Et les 2 dernières cartes seront Nigosier et le Trésor d'Arène. Vraiment cool ce bal masqué, très très content de l'avoir eu. Dernier booster de cette ouverture, on va s'ouvrir délicatement. Vous savez quoi, je vais fermer les yeux sur celui-là. Essayez de vraiment pas me spoil. Allez hop,
super de faire le tri. Parce qu'en fait, quand je trie, des fois, je vois le fond noir et ça me spoil. Du coup, comme ça, on est parti. Ça, ça pourrait être drôle de faire en live. Tu vois, je ferme les yeux et j'ouvre. Morpico. Ah non, c'était l'énergie, là. Je suis bête. Énergie plante. Je sais pas. Kellocroc. Et Smogo. Morpeko. Là, je dirais. Je sais pas. Je sais pas, les gars. Faut que j'arrête l'espoir. Hop. Alors, est-ce que la reverse, c'est quand? 1, 2, 3. Ok. La reverse. Est-ce que j'ai eu quelque chose, les gars? Est-ce que j'ai eu quelque chose? Attends, je vais sentir. Ah, je crois que c'est rien du tout. Ok, bon, je viens d'ouvrir les yeux, c'est même pas la reverse. Très bien. Je referme les yeux. Alors là, non, c'est la reverse. Ah, ça a l'air de puer. Ça a l'air de puer. Je pense que ça pue. Et derrière, ça a l'air de puer. J'ouvre les yeux. Et bah, franchement, je suis chaud, hein. Ça pue bien des fesses. Bon. Les amis, la clim est intense. Voilà, la clim est intense. Un peu dégoûté quand même de cette ouverture, mais très content quand même hein, de ce bal masqué. Donc ça, on avait déjà. Ça, c'est nouveau. On avait déjà bal masqué et vraiment très mauvais. Ces deux coffrets Pikachu très mauvais comparé à tout ce qu'on a ouvert. Bon, un peu déçu, mais il nous reste encore 3 tripacks pour cette grosse ouverture Pokémon. Les amis, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. C'était Kibiki. La guerre n'est pas terminée, on se retrouve pour la dernière ouverture de cette grosse ouverture des Cinéradios. Mangez bien, dormez bien, mais surtout, restez fans de Pokémon. A bientôt.